Salut à tous les amis, on se retrouve pour ma première vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Donc cette vidéo sera sur le thème de la pêche, donc une présentation de leurre. Donc moi je pêche au leurre, donc j'aurai besoin d'un lancet et d'une boîte de leurre tout simplement. Et donc du coup, voilà, donc on se retrouve pour la présentation. Alors on se retrouve pour la présentation. Donc par commencer, je vais prendre ma boîte. Oh mince. Hop. Donc, je vais mon sac. Voilà. Donc, je vais commencer par prendre un leurre. Hop, on va commencer par les leurres souples. Ah mince. Bon, c'est bon. Voilà. Donc, celui-là, c'est un leurre de chez Zag. Je sais pas le modèle. Franchement, je sais pas. Si vous savez, mettez-moi dans les dans l'espace commentaire. Il est fait pour ça. Donc, voilà. Sinon, il est top pour le brochet. Le brochet, voilà. Ça mord dessus. Colorie Fire Tiger. Il nage très bien, ce shad. Alors, les shads, je viens de dire. En fait, les shads, on les reconnaît, on les appelle comme ça parce qu'ils ont un paddle comme ça. Pas tous avec la petite pointe qui est là, mais sinon, ils ont tous la grosse queue comme ça, on dit. Donc voilà, comme ça. Ce côté-là, il n'a pas l'œil. Donc lui, il est comme ça. Sinon, ça marche super bien. Pour le brochet, nickel. Donc ici, j'ai le Duckfin Shad de chez Daiwa. En 6 cm. J'avais fait un montage dessus. Attendez. Nickel, c'est bon. Voilà. Le montage, normalement, il est comme ça. Attendez, je vais le remettre. Hop. Voilà. Comme ceci. Voilà. C'est aussi un shad. On l'appelle Duckfin parce que ça, son paddle, et bah, il est en patte de canard à moitié. Voilà. Désolé, vous allez remarquer. Par contre, sur des leurres à moitié, ils vont être un peu avec du sable. Car j'ai été à la plage l'autre jour et le week-end dernier. Donc, ils ont pas mal de sable dessus, quoi. Donc, voilà. Là, ça c'est fait. Hop, ce leurre dur. Hop. Donc celui-là, je sais pas le modèle, je crois que c'est de chez Daiwa, un truc comme ça. Mais franchement, je sais même pas. Bon. Sinon, je pense pour le brochet, c'est nickel. Je pourrais prendre du silure avec, mais je suis pas là pour pêcher le silure. Plus pour les perches, les cendres, les brochets. Le brochet, franchement, j'adore ce poisson. Je sais pas pourquoi. Petite bavette, donc il va pas taper sur le fond, sauf si vous pêchez vraiment dans peu d'eau. Et voilà. Donc c'est tout pour ce leurre. Sinon, je pense que pour le brochet à l'ouverture, je pense qu'il va taper. Mais hop. Hop. Alors, je vais commencer avec voilà. Ceci, c'est le popper de chez Caperlan, le Buller 60, je crois. Donc on l'appelle popper ce leurre car dans la bouche là, il est incurvé. Et donc ça fait que quand on va faire une tirée sèche avec le sion de la canne, et ben il va faire des pop, une bulle d'air comme ça, et ça va faire des pop, plop, des splash un peu. Alors ici j'ai une cuillère suissex si elle veut bien se décoller. Ah mince. Bon bah je vais vous montrer parce que j'arrive pas à la décrocher franchement. Voilà, donc elle est là.
Cuillère Suissex numéro 2. Voilà. Donc sinon, l'autre leurre, la cuillère, elle est nickel pour la perche, le brochet. Voilà, tout ça. Mais sinon, l'autre leurre, c'est le Quizzer 700 de chez Caperlan. Pour le brochet, c'est nickel, je pense. Donc voilà. Nickel. Je vais le reposer. J'allais dire c'était un autre Duckfin, mais non. C'était un jig fait maison montée avec un Duckfin. Donc voilà. Là, j'ai une perche articulée de chez Zach. Je sais pas toujours pas le modèle, mais sinon, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Voilà. C'est un swimbait. Et nickel. Très bien. Et le swimbait, si vous voulez, il est articulé, donc ça nage dans l'eau et va faire comme ça. Pas besoin de l'animer, hein, celui-là. C'est nickel. Perche, celui-là. Brochet, je sais pas, mais perche, obligé. Donc, ceci, les amis, c'est un jig fait maison. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo, un petit tuto pour vous montrer comment le faire. Et si vous voulez, moi j'ai pris des fils élastiques en silicone un peu, et donc j'ai fait plusieurs coloris, donc voilà. Après j'ai rajouté un trailer, un Duckfin, j'ai mis une TP, hop, et après j'ai pris du fil à coudre et j'ai attaché tous les fils, et du coup ça donne ça. J'ai plusieurs coloris, je vais vous montrer. J'ai ce coloris là encore, noir et vert avec un tweet. Et ici c'est un coloris blanc noir avec du rose. Le rose il est très flashy. C'est nickel. Très bien. Je pense que à l'ouverture je vais les tester, et s'il y a un brochet bien énervé, je pense qu'il va taper dedans direct. Une petite feuille. Et ici j'ai mon spinnerbait avec les palettes. Voilà. La jupe en silicone. Et après j'ai rajouté un trailer. En fait les spinnerbait ils sont vendus avec ou sans trailer, mais par contre les trailers plus souvent c'est à monter soi-même, et plus souvent c'est sans trailer. Donc voilà, petit spinnerbait. Ici j'ai un autre Quizzer 700. Voilà. Hop, voilà. Et ici j'ai le Barn. Ah mince. J'ai le Barn 40 de chez Caperlan. Nickel. C'est un crank. Un crankbait. Et donc du coup, ce crank là, si vous voulez, il va faire. Vous avez le fond. Et admettons vous pêchez dans 1 ou 2 mètres. 2 mètres par exemple, lui il va à 4 mètres, bah 2 mètres du coup, bah il va taper à peu près dans le fond, il va faire comme ça. Voilà, il va taper dans le fond, il va venir taper dans le fond comme ça. Et après sinon ça nage, c'est il oscille comme ça. Comme ça, avec les deux poids de la bavette, comme ça. Et donc du coup il nage comme ça. Nickel. Du coup, sinon, sur le reste de ces leurres, j'ai rien à dire. Sinon, ils sont nickels. Donc, pour cette vidéo, n'hésitez pas à liker. Non, pardon. Désolé, ce n'est pas fini. Il reste mon ensemble spinning. Donc, un ensemble spinning, c'est un ensemble normal. En gros, le moulinet, il est normal. Et donc, du coup, ici, c'est un ensemble de chez Caperlan. Télescopique. Donc, voilà. Donc, je vais vous faire passer ça comme ça. Et donc du coup mon ensemble il est comme ça. Un ensemble de chez Caperlan, bah, je l'ai déjà dit. Et donc du coup il fait 1m80. Nickel pour le carnassier, la perche et tout. Donc voilà. Et donc du coup il est nickel. Donc
ici, je vais vous faire passer ça comme ça. Ah, mais attendez, je vais resserrer ça. J'ai un duck fin qui était monté dessus. Et donc, du coup, ce n'est pas grave, du coup. Donc, je vais vous le faire passer là, comme ça, tout de suite, ici. Voilà. Donc, je vais le faire passer comme ça. Attends, désolé pour le bruit. Je vais fermer la porte. Oh là. Du coup, l'ensemble, je vais le faire passer. Comme ça. Bon, l'inné, il est comme ça. Ah, j'ai pas assez de place. Ah non, c'est pas grave. Donc, le millénaire, vous pouvez le voir à peine. Désolé. Donc, en gros, il fait comme ça. Et ici, du coup, j'avais monté un duck fin de chez Dava. Le moulinet. Ah non, le moulinet, c'est un moulinet de chez Mitchell. Il est nickel. Le premium power balance. Voilà. Et sinon, il est nickel. Hein. J'ai rien à dire dessus. La canne, par contre, est de chez Capernaum. Voilà. Et sinon, c'était tout pour cette vidéo. Sinon, cet ensemble, il est très bien. Franchement, pour moi, c'est nickel. Un talon pas très grand, mais moi, j'aime bien les talons pas très grands. Je sais pas pourquoi. Donc, sinon, si vous avez remarqué, sur le talon, il y avait du scotch. C'est parce qu'à un moment, je lançais, et puis heureusement que j'avais du scotch sur moi pendant la pêche. Parce que je sais pas pourquoi j'en avais déjà, à la base. Parce que ça peut servir, mais je sais pas pourquoi. Et donc, du coup, je lançais. Et puis après, il y a les parties parce que mon lancer, il est télescopique. Et donc, du coup, les brins étaient ressortis parce que le capuchon s'était enlevé, en fait. Et donc, je sais pas pourquoi. Et du coup, j'avais réparé ça avec du scotch. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Donc n'hésitez pas à liker, partager et à commenter. Sinon, le lien... Je vous mettrai le lien des leurs dans la description. Et sinon, voilà, tout ça. Donc, c'est tout. Allez, bye bye!